Bonjour, j'ouvre ce vlog sur le parking. Là, je vais faire la tournée. Non pas la tournée des bars, mais je vais faire la tournée des choses qui font... Oh bah salut toi. Il y a le petit chat de chez Jardiland. Donc je suis à Jardiland, prendre les croquettes de Jackie. Ensuite, je vais acheter du fleurette pour la recette. Ensuite, je dois aller acheter des feuilles pour mon imprimante. Et après, je passe voir ma maman. Et après, je rentre. Voilà, gros programme. Et juste avant, j'ai eu un Zoom, réunion Zoom avec une marque qui sera dans la box de mars. Dans laquelle, enfin ce Zoom, on a fait la sélection sur les produits, on a choisi plusieurs modèles. Trop beau, j'ai hâte. Je vous ai dit, les prochaines box vont être ouf. Il s'est mis à pleuvoir, du coup j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je vous ai pas filmé. J'ai pris mes croquettes, j'ai même pris un petit jouet pour Jack. Enfin c'est un jouet un petit peu comme de l'arbre à chat, enfin vous allez voir, je connais pas. Et j'ai pris mes feuilles. J'ai pas la fleurette, là, j'ai fait mon petit stop chez ma maman. Je vais aller manger des crêpes. Elle m'a préparé des crêpes et elle m'a sorti des photos. Des photos qui datent, je sais, on n'arrive pas à trouver. Je dirais que c'est peut-être quand j'ai passé mon bac, ou peut-être un peu plus tard quand même. Non, je devais avoir une petite vingtaine. Ça fait drôle et je suis pas très fan, moi, de regarder les photos d'avant. C'est un petit côté nostalgique qui m'a jamais trop plu. Je sais qu'il y en a qui kiffent ça, regarder les machins et tout. Moi, ça me met en bad. Attendez, je vais essayer de cacher quand même, parce qu'il y a du monde sur les photos, d'autres personnes. Regardez, je faisais toute jeunette. Attends. Avancez. Ça sent la crépouille ? Ouais. Tu te poses, hein, tu en manges avec moi. Je n'ai pas avoir le temps. Bah si. Non mais j'en ai mangé une à midi, ça me D'accord. Ok. Bon, laisse-moi arriver, s'il te plaît, Jack. Bon, 5h23. J'arrive, j'ai même des petites surprises pour toi, mon Jackie. Eric va pas tarder. Regardez ce que ma maman a fait pour le goûter de monsieur. Trois petites crépouilles. Je vais être content. Donc les croquettes, le top. Hein. Coûte cher, ça donne 30. Fleurette. Alors moi j'ai pris le plus léger de chez léger pour voir ce que ça vaut, parce que tant qu'à faire 4%, hein, je crois que tu peux pas faire plus léger. Arrête. Ça, indispensable, hein, pour Jackie. Alors c'est à la fois un jouet et à la fois pour détartrer ses dents. C'est un peu comme de l'herbe à chat, donc ça peut lui faire du bien pour son système digestif. Elle m'a dit, ça passe ou ça casse. Soit il s'y intéresse, il kiffe, soit il va le bouder. Donc est-ce qu'on fait le test? Là il a envie de manger ses croquettes. Il est en train de défoncer le paquet. Je te donne les nouvelles parce qu'en fait, il restait plus du tout de croquettes, sauf des vieilles, mais vous savez, les trucs qu'on trouve au supermarché. Et le problème, c'est que elles doivent être bourrées de je sais pas quoi, qui fait que il en mange et il a encore faim tout le temps. Donc elles sont pas très nourrissantes. T'es pas gênée? T'as pas honte? Ça a pas l'air de te déranger. Je crois qu'il les kiffe. J'ai même pas rangé. Ça, c'est quand on a fait le zoom, le call avec la marque. Ah bah voilà, Eric. Il est content. J'ai une surprise pour toi, Eric. Pardon ? J'ai une surprise pour toi. À ton avis ? Goûter. Ouais, trois petites crêpes. Ça a été ? Bof ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va tester. Première approche. Ah, bah il a l'air d'apprécier. Oui, c'est pour faire tes dents, tout à fait. Tu es intelligent, tu as compris. C'est de l'herbe à chat, mon chéri. Voilà. C'est un peu comme une brosse à dents pour les chats. Oh non, mais c'est trop chou quand même. Tu pars avec ou pas? Oui, c'est un peu gros. Le temps que je monte dans le bureau pour installer les feuilles. Regardez. Ouais, je suis pas très contente. Hein. Voilà, il est déjà cassé. Ah oui, mais à ce rythme-là, je crois que ça coûte cher. Oh, quelle dextérité, il l'a rattrapé. Il kiffe, mais bon, c'est pas très pratique, il est déjà cassé. Il le casse complètement. T'es un sauvage, mon chat. T'es content? C'est à qui, ça? C'est à qui? T'as déjà perdu ton jouet. J'en peux plus. Là, il est en train de me fixer. Il est tellement mignon. Oh, genre, l'amour. Allez, nettoyage du plan de travail. Ça sent fort, ça. Je suis pas fan, mais ça dégraisse bien. Allez, c'est le moment pour moi, 19h17. Je vais commencer la petite recette.
J'étais en train de piquer du nez. Donc il faut que je me motive. J'hésite, soit je prends les linguines, donc les plates, ou alors je prends des penées. Comme ça, mais toujours complètes, hein. Les penées qui sont légèrement avec le petit trou, ce qui laisse passer la sauce, qui peut être pas mal. Mais comme les crevettes sont assez grosses, je me dis que peut-être les linguines, c'est plus adapté. Après, il y a celles-ci qui sont un chouille plus grosses. Elles ont l'air bonnes aussi, celles-ci. Oh là là. Donc, je pense que je vais quand même faire les linguines, valeur sûre. Vous allez avoir besoin forcément de linguines, de curry, de sauce fleurette que j'ai cherché. Des queues de crevettes, moi, je les ai prises congelées. Il y a plein de petites choses à prendre en compte sur la cuisson des pâtes qu'on ne sait pas forcément. Des petits détails, mais qui font toute la différence. Une des choses primordiales pour réussir la cuisson des pâtes, de faire bouillir l'eau. Je vous dis faire bouillir, c'est des grosses bulles. Et pas avant, tu mets les pâtes. Très important, il faut saler l'eau des pâtes. Mais pas saler l'eau des pâtes au tout début. Quand elle est froide, ça ne sert à rien. En plus, ça va retarder la cuisson et ça ne va pas fixer. Donc, il faut mettre le sel quand justement il y a ces grosses bulles. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de très important? Bah, c'est la fameuse cuisson al dente. Moi, je déteste. De toute façon, je crois que c'est pas digeste, de toute façon, plus si tu les cuis trop. Donc, il faut qu'elle soit un petit peu ferme quoi, à l'intérieur. Et je fais même une minute, en général, en moins de ce qui est conseillé, ce qui est écrit là-dessus, pour les réussir. Et puis après, je vous montrerai au fur et à mesure les autres petites choses. Pourquoi on s'est mis aux pâtes complètes? Tout simplement parce que bah, elles sont déjà plus digestes, t'es rassasiée plus rapidement. Et très honnêtement, moi, je trouve ça très bon. Ça a plutôt mauvaise presse, je trouve, les pâtes complètes. Mais non, quand c'est bien cuisiné, très honnêtement, c'est très très bon. Et je vais vous le prouver. Enfin, vous allez me dire, vous n'allez pas goûter. Mais comme vous allez refaire la recette, vous pourrez voir. En parallèle, je fais chauffer une deuxième casserole dans laquelle je vais faire décongeler. Ça se fait rapidement, mais que de crevettes. Je vais mettre l'ensemble du paquet parce que je compte bien manger les restes demain. Attendez, je vais baisser parce qu'en même temps, je regarde ma série. Je regarde Blacklist. Voilà, donc je vais les mettre très peu de temps hein, parce que l'eau est chaude. Je pense que 2 à 5 minutes, ça suffira pour les décongeler. Et ça, c'est l'eau des pâtes, mais regardez, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas des grosses bulles encore, parce qu'on aurait tendance à mettre les pâtes à ce moment-là, et non, trop tôt. Vous voyez les linguines par rapport aux spaghettis? Elles sont plates. Voilà, les queues de crevettes sont décongelées, ça a pris 3 minutes, vu que l'eau était chaude, donc super rapide. Alors, dans ce type de poêle, bah, je vais mettre un peu d'huile d'olive, je vais faire saisir les queues de crevettes, et bah, au fur et à mesure, je vais ajouter... la petite sauce. Je crois que c'est un des trucs que je préfère au monde, les pâtes et les pizzas. Les pizzas, c'est pas mal aussi. Pour ceux qui le digèrent, franchement, je vous conseille de rajouter de l'ail frais que vous venez couper. Vous venez faire sauter dans la poêle avec vos crevettes pour que ça s'imbibe bien. Moi, je le digère pas, ça va me donner une migraine, donc je vais pas le faire. Comme une persillade, donc on peut mettre un petit peu de persil. Oh, c'est formidable. Persil, je peux en mettre, mais c'est vrai que la persillade, c'est bon quand tu le combines avec l'ail. Je vais couper le bout des crevettes parce que l'autre fois Eric m'a dit ouais c'est très bon, j'adore, mais alors sans ça, ça l'a un peu saoulé. Je comprends, quand tu manges des pâtes, t'as envie de croquer dans le truc, donc on va enlever. Voilà, j'ai retiré toutes les petites queues et je vais couper en deux parce que ça reste quand même gros, il faut que ce soit proportionnel par rapport à la taille des pâtes. Alors une fois que les grosses bulles sont là, je viens mettre mon sel et les pâtes. Je vais mettre mon huile d'olive pour saisir, hop, mes petites queues de crevettes. On va mettre les crevettes. Et là, on va le faire, on va faire sauter tout ça. Et après, j'ajouterai la sauce. Évidemment, un peu de crème fleurette. Ah non, je vais rajouter évidemment le curry. Donc, alors pareil, hein, en fonction de comment vous aimez, hein, plus ou moins ou pas. Ici, évidemment... on vient tourner régulièrement et surtout on contrôle l'heure. Une fois que j'ai arrêté la cuisson et qu'elle est parfaite, je traîne pas et je viens mettre le tout dans la sauce pour que ça mijote. Alors vous pouvez rajouter du sel selon vos goûts, moi j'en mets pas trop. On vient laisser mijoter et tout imprégner avec pour que ça soit, qu'il y ait un liant en fait. Alors voilà ce que ça donne, moi j'aime bien le prendre dans un bol, je trouve que c'est pratique à manger. Et je vous conseille également, c'est hyper sympa, là j'en ai pas, des petites tomates cerises. J'aime pas moi quand elles sont cuites, donc je les mets vraiment quand elles sont un peu croquantes, tu les coupes en deux et tu les positionnes, c'est top, c'est top. Voilà, il n'y a plus qu'à se régaler maintenant, hein. Et on en aura un petit peu pour demain midi. Je viens de goûter, hein, je vous le dis, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite cette recette, mais c'est exceptionnel. Eric il est déjà dans la salle télé.
Les pâtes al dente comme ça, plus, c'est trop bon. C'est fabuleux. Tu en penses quoi? Vous êtes des marchands de... Tu en penses quoi? Délicieux. C'est super bon, hein? Ouais. J'adore. Moi aussi. Ouais, d'accord. Tu te régales, quoi. On regarde pas les mêmes choses. Parce que lui, le soir, il regarde les infos, machin. Moi, j'ai dit que le soir, non. Le matin, ouais, je veux bien regarder, mais pas le soir. Donc, moi, je regarde Blacklist. On se retrouve le lendemain. Je voulais revenir sur... une petite chose quand même concernant ma dernière vidéo. Alors je sais plus si c'est vraiment la dernière ou quoi. Avec les marques que j'ai sur le corps suite à la troisième injection, j'ai halluciné parce que vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages, même m'envoyer des photos en me disant que vous également vous avez la même chose. Et je peux vous dire qu'il y a certaines photos, moi c'est de la rigolade. Quand j'ai vu des grosses dartes partout sur tout le corps, même dans le cou, hallucinant. Mais c'est fou parce que ça donne vraiment l'impression que ça fait ressortir des choses sous-jacentes, genre si t'es sujet au psoriasis ou au zona, et ben ça va te réactiver tout comme si c'était une inflammation. Parce que, enfin, je vous dis ça, c'est par rapport à tout ce que je reçois, même dans mon entourage. Et c'est très chelou quand même. Ouais, j'ai été vraiment très 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 étonnée de voir tous ces retours. Moi qui pensais que cette réaction, il y avait très très peu de personnes... qui l'avait eu, bah tu parles, et j'ai l'impression que les gens en plus ça va, plus ils en parlent, et plus ça va, plus ça arrive. Je comprends pas. Bon, sinon, il y avait autre chose que je voulais vous dire. Oui, je suis en train de me demander, par rapport au format de mes vidéos, est-ce que, c'est une réflexion de moi à moi, je me demande si je passerai pas à un format de weekly vlog, c'est-à-dire... un condensé, un petit peu filmé de ma semaine, mais ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule vidéo par semaine, mais ça sera une grande vidéo, genre de 20 à 30 minutes, ou alors je reste sur mon format de 3 à 4 petites vidéos, donc moyenne 10 à 13 minutes, je sais pas. Alors, de toute façon, tant que je le fais pas, je ne saurais pas, donc c'est possible que peut-être je le fasse en test, et puis en fonction de ça, je verrai. Je verrai bien, voilà. Bah écoutez, on va se retrouver très vite. Là, je vais finir le montage. Je pense que je vais aller chercher Eric au lycée. Et puis, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.